Dinguerie, je continuerai d'être reconnaissant et j'essaierai de comprendre son point de vue sur un sujet. S'il y avait un désaccord, je continuerai d'être reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. Certains streamers, on va dire, n'ont pas été capables de le faire avec moi et je vous avoue que ça m'a un peu mis au fond. Et non, c'est pas Ponce, à quel moment j'ai aidé Ponce à grossir sur Twitch? C'est Domingo. Et il y a vraiment des streamers, genre honnêtement, qu'on m'envoie pas de message, bon, je trouve ça honteux parce qu'à un moment donné, ils savent très bien dans l'état psychologique dans lequel je suis à quel point je suis au fond. Ils savent très bien un message, la force que ça peut avoir, surtout quand t'es au plus bas. Je sais pas ce qu'ils craignent de m'envoyer un message positif par message privé, genre que je partage le fait qu'ils m'ont soutenu en DM. C'est ridicule. Mais si vous voulez, là ça va beaucoup plus loin. C'est carrément, ils m'ont unfollow en fait. Carrément, ils m'ont unfollow, donc j'ai pas trop les mots honnêtement. Le unfollow, je vous avoue qu'il fait très mal, c'est genre ok, bah on a vécu des trucs ensemble, va te faire enculer. Et je l'ai encore au travers de la gorge 3 mois plus tard. Hein. Et donc ouais, c'est un peu, ça fait un peu chier quoi. Mais c'est comme ça. Il y a des sales races et il y a des vrais frères. Et j'oublie pas, malheureusement. C'est-à-dire, je peux pas tourner la page pour ce genre de truc. Parce que là, mon projet de chessboxing, zéro partage, personne qui en parle. C'est... Alors que ça s'entre-suce la queue quand ça fait des projets entre eux, bien sûr. Je suis la bête noire, le mec, on veut plus parler de moi. Les gens croient que j'ai rien à foutre et que je vois... Mais c'est pas anodin, en fait.